la découverte musicale. Donc, essayer de faire découvrir aux gens des groupes qui, par le futur, fumeront les grosses scènes un peu. Amener ici la musique qu'on aime, quoi, plus ou moins. Ouais, et puis, faire un festival jeune. Pas forcément un festival au Champ Marin, pas forcément un festival de Fesnos. Vraiment, faire bouger le bourg de la manière qu'on a envie de faire bouger. En fait. On a un peu dispatché, donc dès qu'il y a un festival qui se passe dans un bled, ceux qui sont proches chez vous, quoi. Ou alors il y a aussi les membres de l'asso qui écument tous les festivals. Non, mais les références, c'est les transmusicales, bien sûr, déjà. Le but du jeu, en fait, pour nous, je pense que c'est même d'anticiper la programmation des trans et trouver les groupes. Feeling quand même un peu. On fait confiance à la seule personne ou deux personnes qui ont pu les voir. Parce que l'on se connaît suffisamment pour se faire confiance. Ça nous fait bouger tout l'hiver, ça prend les esprits. Ça permet de se rencontrer tous les 15 jours, t'as une réunion. Eh bien, moi, j'appréhende surtout de planter 40 pinces dans ce sol dur comme une tête de trégorois. Une fois que ça se sera fait, on va faire les patates, le lard, les barrières, finir d'installer le site demain. Ah, c'est bien, c'est une bande de chouettes potes. Voilà quoi. On est content d'être ensemble, on se fait confiance, il n'y a pas de chef, tout va bien. Faut avoir confiance en l'autre là. Hein. Tu m'étonnes. Je le connais pas en plus alors. Ouais, mais je t'aime bien. C'est bien que la bonne nouvelle. T'as une bonne tête, t'as un bon esprit, ça va. Moi, je choisis une épissure non plus. Où est-ce qu'il faut tirer? Didou, plutôt Freddy un petit peu. Voilà. J'ai l'impression que tout est légèrement penché sur la gauche. Max, vas-y. Derrière, pareil, Freddy, tu tires un peu. Nico, tu lâches un tout petit peu le tien. Donc, moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, je fais pas mal de choses, quoi. C'est une façon de dire que t'as rien foutu, quoi. J'ai rameuté un peu tout le gros matériel, quoi, ici, quoi. J'ai fait de l'électricité, là, ce matin, aussi. Donc voilà, je vais reprendre la route, je vais aller sur l'Agnon là maintenant. Glander sur la route. Quoi. Voilà, exactement. Allez, à votre. T'es puni ou quoi? Non, mais en fait, dans la flotte, Tu pleures moins. Ouais. T'es là sur ton pneu, là. Comme un pauvre casse. Écoute, dès que vous arrivez, passe sur le site. Passe sur le site, ça va. Ça nous gêne pas et. Bon, pas beaucoup. Derrière la scène, je pense. Ouais. Et les gélates. Qu'est-ce qui se passe ici? On fait quoi? On fait les packs, hein. Les bénévoles. Ouais. Avec un petit basse et un t-shirt. Vous avez fait ça toute votre vie. Et vous en avez combien emballé? Une soixantaine à peu près. Pas assez d'ailleurs. Et ça en fait c'est le nerf de la guerre. C'est ça. Tout repose là-dessus. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien.
Je vais être en sécu son, donc je vais être super efficace. Parce que je suis un mec super baraqué. Comme c'est une bonne entente, donc voilà. Je suis pas vraiment quelqu'un qui tient bien l'alcool, donc je vais pas leur filer de la thune en buvant. Ou alors moi je serais vraiment déchiré. Mais... Donc autant leur filer un coup de main entre moi. Comme bénévole. We are waiting for you. Bon, on va y aller parce que les gens vont arriver là. Ouais, go! Fire! Alex, ils t'ont eu, ils sont levés, ils sont rassis juste après. Non, mais je suis juste là pour que les autres bossent. Si moi je fais ce que j'ai à faire, je ferai rien la journée. Et moi je l'aide. Ouais, et on a trouvé les bons plans. Mais on est là depuis longtemps. Nous sommes l'association Artère. Un regroupement d'artistes de talent et de qualité. Principalement basé autour des arts du cirque. On est basé en Normandie. On est basé en Normandie, surtout de Rouen. Voilà, et on a différents spectacles. Et on organise aussi des fois nos soirées sous ce magnifique chapiteau qui est bleu et bleu de l'association Artère. Voilà, on a des amis à Pouvrescan et donc il y a notamment une personne des Irréductibles, la voilà, qui fait partie. Mademoiselle Freddy Eras Pelagui. Qui cumule la double nationalité d'Irréductibles et d'Artère. Basé à Morlaix, donc voilà, parce que c'est du latin jazz en fait ce qu'on fait, voilà. Mais on joue dans différents contextes, hein. Ça peut être des festivals donc d'été, j'ai dit, donc, le festival, ça peut être un festival de jazz, ça peut être dans des bars, des cabarets, boîte de nuit. Et boîte de nuit aussi, on a joué dans des discothèques, donc on est assez ouvert, hein. Je pense que, mais c'est quand même, voilà, c'est une musique qui est quand même assez communicative, quoi, on donne. Et... Alors moi je m'appelle Yann, batteur de Craftman Club. Donc lui c'est Cédric qui s'occupe de nous, qui gère un petit peu tout ce qui est concert, etc. Tu t'occupes de l'assaut quoi. Bon, le style de Zik c'est enfin on définit ça comme prototype rock'n'roll music. On fait du neuf avec du vieux quoi. Donc, quoi. Et on a des samples et tout. Généralement, c'est des gens qui voient Craftman Club sur un concert, qu'ils aiment bien, ils accrochent. Donc finalement, après, soit ils connaissent des gens qui organisent, soit eux-mêmes sont organisateurs, ils prennent des contacts. Sur Pouvrescan, là, sur les Irréductibles, en fait, on connaissait quelques personnes déjà depuis pas mal d'années, quoi. Qu'est-ce que je fais après? Et donc on se présente. Alors il y a du monde qui passe, on va laisser passer une dernière personne. Hop là, voilà.
Donc nous on est un groupe de dub, ça devait donner une étiquette un peu généraliste pour le style, et composé de basse, guitare, batterie, clavier et platine. Et puis on travaille aussi avec des techniciens qui sont notamment le son, lumière et vidéo. Donc ça c'est le groupe Python. Mais au niveau des concerts, nous on aime bien jouer un peu dans toutes les structures, aussi bien dans les petits festivals comme ici, que des plus gros festivals. En fait on sélectionne pas trop, on cherche quand même d'abord à rencontrer des gens, des assos, avec qui quand même il y a un contact qui se passe bien, tu vois. Quand tu joues dans un petit festival, t'as le côté convivial, la rencontre humaine, et puis bon, des fois à côté de ça, tu vas avoir peut-être des problèmes techniques, ou peut-être un son de bonne qualité, ou des choses comme ça, mais bon, tu vas passer dessus parce qu'il y a une bonne ambiance, puis tu vas aimer faire des gros concerts, parce que justement tu vas trouver cette qualité peut-être du son, des lights, tout ça, et puis derrière tu auras peut-être le côté humain qui sera moins intéressant. Je suis très contente que près de chez moi il y a des festivals, ça me permet de m'amuser avec mes copains, il y a des concerts, on découvre des nouveaux groupes, et même des groupes connus, c'est gratuit, c'est pas cher, et on s'éclate, voilà. Bonjour, je m'appelle Loïc, je fais partie d'une association qui s'appelle les Irréductibles à Pourascan. On organise un festival de musique tous les ans, cette année c'est la 9e édition. Le festival se déroulera donc le 6, 7, 8 août cet été à l'entrée du bourg de Pourascan, sous chapiteau et en plein air. Vendredi 6, donc début des festivités avec Fantasio, un chanteur contrebassiste parisien qui a fait ses armes sur la ligne 6 du métro. C'est le nomadisme urbain. C'est quelqu'un qui aime la rue. D'ailleurs, c'est un petit peu la couleur de la programmation de cette soirée-là. Donc, il sera accompagné pour son set de deux cuivres, un sous-bassophone et un saxo-bariton, d'un batteur et d'un bruiteur qui utilise des jouets, des objets en fer. Ensuite, nous aurons les chevals, fanfare funk, qui nous viennent de la région parisienne. Leur particularité, ils jouent avec des coquillages et sur certains morceaux, ils échangent leur cuivre contre des conques. Et pour finir la soirée, la Chango Family, donc une grande famille de 10 musiciens qui nous vient du Québec. Alors là, on a des chœurs, du chant, violon, contrebasse, accordéon, cuivre. Pour calibrer leur musique, on pourrait les mettre entre l'Ojo Triban et la Mano Negra. Samedi 7 août, deuxième soirée du festival qui débutera par New Paulette Orchestra. Alors c'est une formation très jeune qui a à peine un an et demi. Ils font du rock psychédélique avec des tendances un petit peu électro par moment. Donc ils sont composés de quatre musiciens, une chanteuse qui risque de surprendre pas mal de monde à mon avis. Un guitariste, un clavier machine et un batteur. Ensuite, on enchaînera par Orange Boson, une formation qui nous vient de Loire-Atlantique. Grosso modo, leur concept, c'est un mélange de beats électroniques avec des musiques traditionnelles, orientales. Donc, ils sont composés d'un mec aux machines, un guitariste, un violon, un percussionniste, un batteur et une chanteuse. Et pour terminer la soirée, un groupe qu'il ne faut surtout pas manquer, la Caravane Electro. Donc c'est une formation qui nous vient de Lille. Leur concept c'est Diganotronic,
Donc, comme le nom l'indique, c'est un mélange de musique électronique et de musique traditionnelle de l'Est. Leur formation, c'est tablas, sitar, un mec aux machines, une danseuse, un MC avec un énorme débit hip-hop et le tout agrémenté de vidéoprojection avec un grand écran central et deux écrans latéraux. Donc pour un set, à mon avis, qui risque de surprendre plus d'une personne et qui devrait clore de la meilleure des manières cette édition 2004 des Irréductibles. Les Irréductibles, c'est bien. Je viendrai, j'y serai. Mais ça va être dans les surprises. Plus de moumoute pour les Irréductibles, c'est ça qu'il nous faut, de la douceur un peu dans ce monde de brut. Bienvenue dans Bikini, l'émission musicale néoconceptuelle qui révolutionne le monde de l'audiovisuel. On ne vous parlera pas d'agriculture, ni de chasse, ni de tradition, encore moins de botanique. Bikini, l'émission qui n'aime pas la botanique. Au sommaire de ce premier Bikini, une chronique extraordinaire sur le film The Man with the Movie Camera avec le Cinematic Orchestra et une interview de Brenda Madge. Ce Cinematic Orchestra est né de la fusion de deux courants artistiques majeurs, la musique et le cinéma. L'homme à l'origine du projet, Jason Swinsko, bidouille son sampleur et ses effets aux côtés des autres membres du groupe, composés par une batterie, une basse acoustique, un saxo-soprano, un piano et des platines. En feuilletant dans les archives du cinéma russe, Swinsko découvre The Man with the Movie Camera, un film de cinéma expérimental datant de 1929 qui retrace la vie quotidienne d'une grande ville russe. Le groupe s'attelle donc à la BO du film muet et réussit à s'adapter avec brio aux images du réalisateur, Dziga Vertov. Celui-ci avait lui-même laissé des écrits expliquant ce qu'il aurait souhaité entendre comme musique pour son film. Ce cinématique orchestra apporte un son fusion jazz qui lui est propre, tout en s'adaptant au montage du film. Effectivement, le groupe a eu le bon goût de ne pas retoucher le film, mais de faire l'effort de s'adapter aux images en noir et blanc. Le style musical du Cinematic Orchestra, c'est un cocktail planant d'ambiance, de down-tempo et d'électro-jazz. Grâce à ses samples hyper travaillés, le chef d'orchestre Swinsko dispose à volonté de violons et autres cordes sur l'intégralité de ses morceaux. La basse acoustique est feutrée, très jazzy, et apporte son groove aux nappes de synthé planantes. Le sampler vient faire le lien apparent entre le film et la musique, en illustrant les bruitages inexistants par des sons électroniques étranges. Tout ceci est réuni sur un beat ambiante subtil et déstructuré, aux touches jazzy rehaussées par le saxo qui crée une ambiance familière à la musique. Les scratchs viennent au bon moment casser cet effet et rappeler à l'auditeur-spectateur le nombre d'années qui séparent le film de la musique. Sur scène, The Cinematic Orchestra diffuse le film et joue la BO en direct. Une prestation originale que Jason Swinsko a réutilisée dans son propre club, le Loop, où des DJ viennent présenter leur propre version de la BO du film. The Man with the Movie Camera est un chef-d'œuvre pour les cinéphiles comme pour les mélomanes. Une représentation parfaite du lien qui peut exister entre la musique et le 7e art. Конфликты, а то лишь, что же в этом не интерпретируют. Полностью обиделся, что это не все, 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 что это не все
Constitué en 1999 à Saint-Étienne, Brain Damage est un duo bass machine évoluant dans un univers dub ambiant. Leur premier album, Always Green et On the Other Side, sort en 2002. Nous les avons rencontrés à Plougrescamp lors de la 10e édition du Festival des Irréductibles, un an après la sortie de leur dernière production, Ashes to Ashes, Dub to Dub. Des rapports avec le reste de la scène dub française? Il y a forcément des rapports, vu que c'est des gens qu'on croise régulièrement sur la route ou alors dans d'autres cadres. Tu parles de Jarring Effect, nous on est de Saint-Etienne, ils sont de Lyon, donc on a souvent l'occasion de se croiser. On a souvent eu l'occasion et on aura bien entendu l'occasion de travailler ensemble. Quant à la scène dub française et à ses acteurs, bah, les gens de... C'est marrant, ce soir on fait un remplacement de Hightone justement qui a pas pu être là, qui ont eu une galère sur quelques dates. Ça se passe super bien, on croise les gens de Cali, on croise les gens d'Improvisators Dub, de Zenzile, de Lab. À chaque fois on aime bien se retrouver, on aime bien ce qu'ils font, on aime bien l'évolution de chacun des projets respectifs. Et c'est ce qui fait que la scène est vivante, il me semble, c'est que chacun a un petit peu un œil sur ce que fait l'autre. Et au lieu d'être basé sur une base de concurrence, j'allais dire, c'est plus un intérêt mutuel qu'on se porte les uns aux autres qui à mon avis rend les choses vivantes et fait avancer cette scène là. We got to fight, to fight, to fight. For the world is full of angels and things are not right. Dernier album Ashes to Ashes, il y a deux chanteurs en fait qui sont pas tout à fait des chanteurs, je vais y revenir en fait. Donc t'as d'un côté Leroy Green qui est dans le style roots jamaïcain, j'allais dire plus proche du reggae, en tout cas d'une forme traditionnelle de reggae dub. Et de l'autre côté Black Sea Fishy qui lui déjà ne chante pas, c'est-à-dire qu'il est dans ce qu'on appelle le spoken word, c'est-à-dire que tout est basé sur le texte et donc après sur quand même la voix, sur l'ambiance qu'il peut créer avec ce texte et sa voix. Et donc c'est vraiment l'opposition entre les deux styles qui nous intéressait sur ce disque. Et en ce moment, qu'est-ce que vous écoutez ? Il y a l'album qui s'appelle We Free Again de Groundation par exemple. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet ultra roots. Californien, d'après ce que j'ai compris, c'est des Américains. J'ai pas vu de live encore, pourtant il arrête pas de tourner en France, donc vraiment, c'est pas les occasions qui manquaient, mais bref. Et il y a un superbe troisième album, je crois, qui s'appelle We Free Again, avec des featuring hallucinants de gens d'HL Vibration, et avec un
chanteur super intéressant, avec un timbre de voix intéressant, des compos, des gens qui jouent, et tout ça dans un registre roots, mais pas forcément entendu quelque part, ce qui est peut-être un peu contradictoire, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Je parlais de Riverman Sound tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce de dub crépusculaire avec plein de Jamaïcains super roots qui viennent chanter d'une façon souvent incroyable par rapport à cette musique-là, qui est super particulière. Sans oublier quand même tous les gens de cette scène dub dont on parlait tout à l'heure, française. Ils ont tous sorti un album quasiment en même temps là cette année. Il y a eu un DVD, un super beau DVD d'Ezekiel. Il y a eu un troisième album super réussi selon moi, d'Itone. Je trouve vraiment mortel. Il y a eu un super joli Zenzile. Il y a eu un album de Lab. Il y a eu un album d'impro. Un album de Kali qui arrive. Send me a gal who a African from Yemen. Yes, me will take anyone. Send me a gal who a Jamaican. Send me a gal who a Indonesian. Send me a gal who a Asian from Yemen. Yes, me will take anyone. Gal is me name, yes, a gal is me fame. Gal is me name, yes, a gal is me fame. Me no partial. May I the gallis feel martial. Send me a gal who a ready. Send me a gal who brunette. Qu'est-ce que vous utilisez comme matos? Je vais parler du live. Il y a un magnétophone numérique qui tourne. J'utilise 8 pistes qui tournent. En général, c'est des choses préenregistrées, donc en boucle. Et sur lesquelles j'interviens, les 8 pistes repartent dans une console numérique aussi. Qui comporte 2 multi-effets à l'intérieur et il y a 2 multi-effets externes. Donc grosso modo, il y a 4 multi-effets qui peuvent rentrer les uns dans les autres, une console et un magnétophone. Voilà. Ouais. C'est un disque dur qui travaille, quoi. Voilà. Et si tu veux, si j'interviens pas dessus, à chaque fois l'idée c'est de refaire le mix. Et bien sûr, comme c'est une intervention humaine, bah, c'est jamais exactement le même d'un soir sur l'autre. Est-ce que vous aimez le poulet? Le poulet, ouais, saignant particulièrement. À la mexicaine, en nuggets, de Bresse de préférence, fermier de préférence, la belle rouge. Sinon il y a le rebeu du marché qui vend des poulets et je t'avouerai que quand j'ai pas envie de faire la bouffe, je les en achète aussi. Le 8, le 9 et le 10 décembre auront lieu les 27e Transmusicales de Rennes, avec notamment la présence de Rubinsteiner et de Strupix. Alors surtout, soyez là, et à la prochaine.
tell me, are you afraid? Oh, you're not afraid! Oh, no! I know you must be afraid of something! Speaker!
Ok, progressivement, voici l'homme aux machines. Je vous demande de faire du bruit pour lui. Nico! Terrestrial fire under the blow of this untamable element, bleeding off the terrestrial fire under the blow, bleeding off the terrestrial fire under the blow of this untamable element, bleeding off the terrestrial fire under the blow. Il est en position de réflexion, assis en taillant sur le sommet de sa montagne. De son corps émane de l'énergie quasi palpable qui tous les fois le vit et puis le rendant de son esprit. Let's go! Let's go!
Oh!